Ouais, je sais, c'est... Donc, parce les trucs de... Quand il y en a un, il y a l'autre, hein, ouais, je sais. C'est ça, en fait. Mais tu sais, quand on arrive chez l'un ou chez l'autre, en fait, il y en a toujours un des deux qui a son appareil qui est déjà en train de brancher. C'est une habitude à prendre. Des formations professionnelles, c'est rigolo. Non, mais c'est... Oh, bien joué. Oh, ça, c'est une super idée. Donc... Comment est-ce qu'on promène un pop-it? Comment est-ce qu'on promène un cactus? Comment est-ce qu'on promène un changeur? Comment est-ce qu'on promène des fossiles? Et comment est-ce qu'avec sa main, on peut jouer avec? Oh, mais il est là. Il est là, Philippe. On pourrait prendre ça, ouais. Ok, alors le pop-it, fais voir à quoi ça ressemble le pop-it. Ok, c'est assez grand. Tu nous racontes l'histoire qui va avec le chargeur. Bah, je le perds tout le temps. Et de base, bah, normalement, quand tu quand t'achètes un téléphone, bah, ça te donne un chargeur. Bah, ce chargeur, je l'ai perdu. En fait, c'est juste que mon pull, mon gilet, bah, je l'ai posé. Et après, bah, j'ai oublié de le chercher dedans. Je cherchais dans mon sac de pique-nique, partout, mais pas dedans. Ou alors, est-ce que tu perds autre chose que ton chargeur? Parce que quand même, j'ai l'impression que tu perds un peu tout. C'est pas grave, hein, moi aussi, je perds tout. Hein. Je pose des trucs et puis je les retrouve jamais. Mais... C'est rigolo que tu filmes. Tu essaies de réfléchir à tous les endroits dans lesquels, où tu as perdu ton chargeur. Faire 5, 6, 7 vidéos, c'est pas grave. Ah oui, je vais faire partout. Ouais, mais partout, si tu réfléchis. Quand tu rentres chez toi, tu dis, ok, où est-ce que je les... Ah, c'est souvent dans ma chambre. Ouais, mais pas au même endroit. Oui. Alors, on laisse passer la voiture. Donc, tu as choisi... Pardon. Quel objet? Alors, mon objet, c'est un disque, un vinyle. De cet objet, maintenant, il est chez toi. Voilà, il est chez moi, en décoration. Il est au-dessus de... De ma télé. De ta télé, j'ai vu sur l'image. Il est sur ton autre télé, ouais. C'est ça. Ah, mais je vais entendre le morceau en direct. Là, tu nous remontes. C'est le ça. C'est ça. C'est, ah, je l'ai trouvé. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. On entend bien en plus. Et en fait, il se filme en train de filmer. Ah oui, ouais. En fait, on est des grands malades, on nous laisse travailler, c'est quand même assez dangereux. Et encore, moi, qu'à chaque fois, tous les matins, quand il vient me chercher, j'ouvre la porte-fenêtre du gîte, il est en train de me filmer. Donc, il y a trois matins, je... Donc, en fait, là, on le fait à chaque fois. Il faut que vous filmiez pendant, je crois, à peu près 10 minutes, ou 5, entre 5 et 10 minutes, pour qu'on fasse 25 secondes d'image. Ça s'appelle, et ben voilà, tu connais le nom. Ça s'appelle comme ça s'appelle un timelapse. Tu sais pas exactement à quel moment l'image elle se déclenche. Là, tu le vois, tu cliques, 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 c'est régulier. Ça vous dit? On va faire ça. C'est pas ça. Mal. Parce qu'il y en a qui font ça avec les nuages. Ouais, c'est ça, pour faire avancer des nuages très 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 vite, ou tu peux faire ça, ou tu fais ça à la mer. Tu gardes, faut que tu regardes à peu près tout le temps vraiment dans le là-dedans. Comme ça, ton œil va être au bon endroit. Et après tu te déplaces, tu avances comme ça doucement. Faut que tu sois un petit peu plus haut. Faut vraiment que tu sois vraiment quasiment à la hauteur de tes yeux. Voilà, si t'es comme ça, c'est nickel. Alors, je te fais le réglage. Là, c'est l'air de bien être. Positionne le canon, il est bon. Je regarde si le truc se lance bien. Ok, là, c'est parti. Et tu vas où tu veux. Et tu peux marcher tout doucement comme ça va ralentir. Remonte-le un petit peu à la hauteur de tes yeux. Super. Tu regardes que le truc noir au milieu. Tu vas voir, ah non, tu vas plus y penser. Tu vas penser à rien et ça va marcher. Ah, on est pas mal du tout, hein. C'est exactement au même endroit à chaque image. Ça marche. Ah mais non, ça marche moins bien parce que du coup on tient pas l'appareil, mais n'empêche que. C'est top, ça. Tu peux passer très lentement d'un truc à l'autre, comme ça t'occupes le fond. Tu peux avancer comme ça, Cassandra passe d'un côté, tu passes de l'autre. Là t'es plus dedans maintenant. Donc tu peux, voilà, tu peux remonter et tu peux passer. Va jusqu'au tableau bleu là-bas. Cassandra, super. Ok. Là Marius t'es dedans. Tu passes ton ballon. Passes-tu ton ballon? Ouais. Sur la table pour voir ce que ça donne.
Alors, tous les sons sur la table, ça c'est tout bon. Il va reprendre sa forme du début. Donc là, en fait, il est expulsé du sol, donc il va très vite. Et là, il arrive en l'air. C'est le moment où il va ralentir. Donc là, je le fais bouger un petit peu moins. Encore un petit peu moins. Non, c'est tout ça. C'est pour qu'il y ait un peu moins de manche. Ah oui, d'accord. La tête. Moi, j'ai coupé trois lettres sur mon coupant doigt. Ce capot. Ouais mon frère, après là je les mets juste en place pour voir comment. Hop, le i. Alors le i, ce qui est rigolo, c'est que toi t'as fait un. C'est rigolo, t'as fait le point, donc il faudra l'animer à chaque fois. Pi. Et gars. Vi, pi, et c'est ça, gars. Les lettres elles sont toutes collées. Et à partir de là, on pourra faire. Ben, les lettres elles pourront disparaître, se mélanger. Les autres lettres pourront arriver pour refaire les mots. Après, on pourra faire l'animation. Je te dis quand tu rentres. Normalement là ça va pas tarder. Voilà, là tu rentres juste. Yes, super, ça marche. C'est bon, on passe avec le lolo comme ça. Mais non, passe avec le lolo comme ça. Ouais, ça c'est pas mal. Venez tous, on passe avec le lolo. Voilà. J'ai regardé tes cheveux, juste. Ah bah c'est parfait. Oh là là, magnifique! Ça sera la fin de l'épisode! C'est la fin du making-of!